Donc un sujet assez simple de l'EDEC. Et on va voir quelque chose d'un tout petit peu particulier qui n'est pas standard. Enfin, pas standard. C'est classique comme question, mais c'est tout de suite d'un niveau un tout petit peu plus élevé que ce qu'on a fait mardi. Parce que mardi, je vous ai proposé deux transferts de loi qui étaient des transferts de loi tout simplement bijectifs. L'idée étant, par exemple, notamment, on a vu le cas où on avait pris du y égale à x plus b, calculer la probabilité de y plus petit que x, ça revient à faire de la probabilité de ax plus b plus petit que x. On peut facilement, par plusieurs étapes intermédiaires, réisoler grand x, alors inférieur ou égal ou supérieur ou égal, en fonction du signe de A. Ça dépendra si A est positif ou négatif. On se retrouve avec du inférieur ou égal ou du supérieur ou égal. On l'a vu, on en a fait un peu compliqué mardi où justement le A était négatif. Je crois que je vous l'ai fait avec du moins 2x plus 1. Et où à la fin, on se retrouvait avec du x plus grand que. Et donc, il faut passer au complémentaire pour revenir au plus petit que. Mais donc ça, c'est très facile. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas une fonction bijective? Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction non bijective? Ben, c'est typiquement si on veut faire un transfert de la forme y est égal à x carré. Alors si on veut faire y est égal à x carré, ben, là les choses ne se passent pas de la même façon vu que le transfert n'est pas bijectif. C'est-à-dire que par exemple, calculer la probabilité de y plus petit que x, et je rappelle pour tout, que cette fonction de répartition, on doit la calculer pour tout x appartenant à R. C'est calculer la probabilité de x carré plus petit que x, et ça met déjà le simple fait qu'on veut considérer quel que soit x appartenant à R et qu'on écrive cet événement ici, ça met déjà une contrainte ou une indication ou une information comme quoi tout ne va pas se baser sur la fonction de répartition de x, mais va se baser sur des propriétés simples et cohérentes de la fonction x carré elle-même ici. D'après vous, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire si je veux vous définir cette probabilité-là pour tout x appartenant à R, si je veux faire du x carré plus petit que x? X appartient à 0,1. Pourquoi tu limites à 1, Alexis? Je comprends pas le 0,1. Je ne vois pas un argument pour limiter à 1 ce truc-là. Il faut que ce soit inférieur à x. Mais ça, c'est un petit x réel, justement. Ça, c'est un truc qui varie, qui prend tout l'axe réel. Ah, donc je vois pas pourquoi. Oui, Maxence, ça me paraît beaucoup plus logique. Alors, il y a clairement une contrainte de logique qui est, voilà, Alexis, qui est que ce nombre-là, on sait. Si on prend un nombre grand X, même aléatoire, quel que soit le nombre, si on fait X carré, ça doit donner un nombre positif. Donc, notamment, si on teste quel que soit X appartenant à R moins, c'est-à-dire un nombre négatif, alors la probabilité que X carré soit plus petit que X, instantanément, et indépendamment de n'importe quelle loi de grand X, quelle que soit la loi de grand X, on sait que cette probabilité va devenir nulle. Donc quand on compose par une fonction non bijective, il va falloir qu'on fasse gaffe, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment écrit noir sur blanc. On verra des sujets, quand on prendra les sujets de l'EDEC, c'est des pros pour parler de choses hors programme à ce moment-là, mais c'est uniquement pour guider les élèves. Mais en gros, quand on fait par exemple un transfert de loi avec la fonction qui a x associé x carré, hein, c'est cette fonction-là. Puisqu'elle n'est pas bijective, en gros, ce qui va beaucoup nous intéresser, ce qu'on va devoir considérer, c'est l'ensemble des images sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on avait noté, l'image de R par la fonction qui a x donne x carré, ça c'est bien l'ensemble des images. On l'avait vu en début d'année, on peut écrire facilement que ça c'est 0 plus l'infini. J'aurais plutôt dû l'écrire avec les couleurs dans l'autre sens. Mais c'est pas grave, ça c'est l'équivalent de ce que j'ai mis ici. Bah, ce qui va m'intéresser donc à comprendre, c'est ce genre de choses. Il va falloir connaître ces images de ces fonctions. Alors très souvent, hein, les transferts non bijectifs, ce sera
Ce sera principalement avec deux fonctions, on va les voir. Il y en a même trois avec la partie entière, mais ce sera toujours soit avec la partie entière, soit avec la valeur absolue, soit avec la fonction carré. Donc entre guillemets, ça va être avec des fonctions de référence. Et si c'est avec des fonctions de référence, on va pouvoir facilement connaître leurs images. Et si on connaît leurs images, on sait ce qui n'est pas dans l'image. Typiquement la partie que je hachure en vert ici en bas. Ce qui veut dire que clairement, puisque cette fonction, son image, c'est 0 plus l'infini, la variable y ne peut pas appartenir à ce qui n'est pas dans l'image. Donc ici, pour nous, ce serait moins l'infini 0. J'aurais peut-être dû même mettre, pour pas m'embêter et pas poser de problème, un r moins étoile ici. Mais elle ne peut pas appartenir à moins l'infini 0. Ce qui est souvent écrit, et c'est une notion qui n'est pas au programme pour les variables à densité, mais qu'on peut comprendre, ce qui a à voir avec le support de la variable y. Clairement, quel que soit le support de la variable x, c'est-à-dire même si la variable à densité x, elle prend des valeurs dans R, elle, y de oméga, si y c'est basé sur la fonction x carré, on aura toujours en fait le support de la variable y qui sera inclus bah, dans ce que j'ai noté, l'image par la fonction x carré de, bah, de entre guillemets pour nous, de x de oméga. Ah, donc qui ici est forcément un ensemble inclus dans 0 plus l'infini. Donc cette notion de support, c'est pas une notion officiellement au programme. Ça n'a pas de, je ne veux pas que vous reteniez la moindre chose en termes de définition et de propriété du support. Mais ça veut bien dire ce qu'on en pense et ce que, le sens que ça a. Et c'est pour ça que l'EDEC rajoute beaucoup de questions là-dessus sur les variables à densité, notamment voie E souvent. C'est-à-dire que si vous prenez une variable x qui serait même une loi normale, quelle qu'il soit comme ça, c'est-à-dire que la fonction de densité fx serait une fonction parfaitement symétrique à valeur dans R, la densité elle, fy n'aurait pas le choix bah, que de tout ramener dans les positifs serait ici. Donc la densité de y par exemple serait un truc comme ça, je sais pas, ou qui ressemblera à ça. Forcément. Et donc, ce que veut dire ce y de oméga inclus dans 0 plus l'infini que j'ai écrit en bas, ça veut bien dire ce qu'on pense, c'est que y ne peut pas prendre de valeur négative. Est-ce que vous êtes d'accord juste sur le principe de la logique de ce transfert si je veux faire pour n'importe quelle variable x un transfert en x carré, qu'il va bien falloir distinguer les cas négatifs des cas positifs. Est-ce que vous comprenez, sans savoir vers où ça va mener en calcul et quelles contraintes, le fait que ça doit apparaître et que ça doit être pris en compte parce que ça ne prend pas toutes les valeurs possibles et qu'on doit définir une fonction sur R. Bon, ça va pour Léa, Maxence, Raphaël, François, ok, parfait, très très bien. Donc ça, c'était vraiment le préalable que je voulais vous dire sur pourquoi on va avoir des contraintes. Maintenant, en fait, dans l'idée, ça ne change strictement rien à ce qu'on fait d'habitude. C'est juste que la fonction n'étant pas bijective sur R, en fait, c'est justement, c'est les étapes d'amorce qu'on doit faire pour se ramener à la fonction de répartition de x qui ne vont pas pouvoir être appliquées et qui ne vont pas marcher. Et donc, c'est à travers les calculs qu'on va se rendre compte de ces propriétés-là. Donc faisons un exercice pour s'en rendre compte tout de suite avec cet exemple-là et je vais pouvoir vous expliquer où sont les problèmes et pourquoi c'est quelque chose à prendre en compte et pourquoi c'est quelque chose quand vous avez un transfert à faire sur une variable à densité, juste de vous de réfléchir, est-ce que c'est évident que la fonction est une bijection? Par exemple, c'est une fonction affine, dans ce cas-là c'est évident. Si ça ne l'est pas, juste réfléchir à ce que ça va vous donner comme contrainte ou être précautionneux quand vous faites vos étapes d'amorce pour lier les fonctions de répartition. Alors faisons, on est toujours dans le même dans notre poly de cours, on est toujours, c'est dans l'exercice 7, je ne l'ai pas ouvert d'ailleurs, excusez-moi, je le fais instantanément. C'était l'exercice numéro 7, je pense. Je descends, oui, c'est le 7, on va faire la question 1. Alors, c'est quelque chose qu'on a travaillé déjà lundi, on va pouvoir reprendre. Donc dans l'exercice 7, la question 1, on a x qui suit une loi, alors elle n'a pas de nom, mais je l'avais appelée lundi, c'était ce que j'appelais la loi espérance normale.
Ça n'a pas vraiment de sens, hein. C'est pas un nom officiel, mais c'est ce qui me par... c'est ce qui est le plus proche des notions de calcul de cours qu'on a nous. Donc elle a pour densité f de x qui vaut x exponentielle moins x carré sur 2, mais uniquement dans les positifs. Et on avait calculé, on va l'écrire tout de suite, ça nous évitera de la complexité. On avait calculé lundi la fonction de répartition de cette fonction. Elle valait clairement 0 si x est strictement négatif. Et elle valait x moins x, 1 moins, pardon, exponentielle moins x carré sur 2 si x positif. On l'avait calculé lundi, hein. Je me permets de la reprendre ici, mais on sait tout ça. Et on veut faire le transfert, on veut déterminer la loi. Donc savoir si c'est une loi à densité, montrer que y est une loi à densité. Pour, et ici le transfert, c'est justement du y est égal à x carré. Alors justement, c'est là où je vais vous dire que en fait, pas vraiment besoin au tout début de réfléchir à faire l'image de la fonction. On va voir que si on n'y pense pas, très très vite, ça va se passer. Si je veux essayer de déterminer la fonction de répartition fy de x, je dis donc que c'est la probabilité de y plus petit que x, sans réfléchir. Je peux même écrire ça quel que soit x appartenant à R. Ça, c'est la probabilité de x carré plus petit que x. Ça, aucun problème là-dessus. Quelle opération vous voudriez faire sur cette inégalité qui est dans la probabilité pour continuer les calculs? Quelqu'un. Ah, j'ai. C'est moi, j'ai raté. Ah non, j'ai cru qu'il y avait des mains levées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Erwan, quelle opération tu ferais sur l'inégalité x carré plus petit que x pour essayer de continuer les calculs, pour essayer de ramener à du x? On veut transformer le x carré, enfin le grand x carré en x, c'est ça? Oui, on veut se ramener à x pour se ramener à la loi de à la fonction de répartition de grand x. Bah, du coup, racine, non? Ouais, on veut composer par la racine. Et c'est là où on n'est pas obligé de parler de l'image de la fonction carré, mais où on peut contourner par un autre argument. Quelle information tu dois regarder pour avoir le droit de composer par la racine, Erwan? Faut que x soit positif Voilà, et ou donc on peut nul. traduire ça en termes d'autres produits, et c'est exactement ça, Erwan, et merci. C'est que l'idée ici, de ce qu'on veut faire, c'est on veut clairement composer par la fonction racine carrée, mais je vous rappelle que la fonction racine carrée, elle est uniquement définie sur R+. Donc si vous réfléchissez en ces termes-là, ça peut aussi s'expliquer par ces termes-là. Et on va donc devoir clairement faire quelque chose, une disjonction de cas pour pouvoir appliquer ça. On va donc dire que ça, c'est juste la probabilité de x carré plus petit que x si x strictement négatif, et que c'est la probabilité de racine de x carré plus petit que racine de x, si x positif ou nul, la fonction maintenant racine étant bien strictement croissante sur R+. Et c'est là où on a le deuxième argument qui arrive instantanément, qui est que ce calcul-là, pourquoi on ne peut pas composer par la racine? Et il faut juste le dire et ça suffira largement. Bah, c'est parce que x carré ne peut pas être négatif. Donc ça, clairement, ça devient 0 si x strictement positif, car un carré ne peut être négatif. Et là, ensuite, on arrive à la probabilité. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, tiens, je vais embêter quelqu'un d'autre avec ça. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas embêté à ce sujet-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Léo, comment je continue ma racine carrée de x carré plus petite que racine de x? Oui, il faut pas oublier la valeur absolue, c'est exactement ça, Léo. Donc oui, ça va vous donner du valeur absolue de x plus petit que racine de x. Alors, on en est là.
Ah, je vais effacer l'énoncé que j'avais mis là-haut pour pouvoir continuer mes calculs. Ça, il faut faire attention. Alors, ça peut être plusieurs choses, hein, et on peut résoudre cette inéquation pour continuer, mais je pense que vous pouvez le faire un tout petit peu plus rapidement maintenant avec votre connaissance des valeurs, des fonctions de référence. Je rappelle que la fonction valeur absolue, c'est une fonction qui a l'équation moins x ici et x ici. Du coup, si je mets une barrière par rapport à racine de x ici en ordonnée, racine de petit x, c'est exactement l'inégalité que j'ai là en bas. La valeur absolue est plus petite que racine de x. Si ici, je vais encore embêter Léo 10 secondes, si on est entre quel point et quel point ici d'abscisse, Léo? Quels sont ces deux points qui croisent les abscisses ici en vert? Si je veux juste résoudre l'inégalité et revenir à trouver les antécédents. Moins 1 et 1, les antécédents de x, de racine de x, non. Ça va être justement racine de x. Alors pas x et moins x, François. Si la barrière, je la mets au niveau racine de x, en ordonnée, puisque ici, ce que j'ai ici, c'est clairement la droite x égale y, et ici y égale moins x, bah, pour passer par ce point-là, si l'ordonnée, c'est racine de x, l'antécédent de ce côté-ci, c'est bien tout simplement, bah, puisque x vaut y, l'antécédent, c'est bien racine de x, et puisqu'ici x vaut moins y, l'antécédent ici, c'est bien moins racine de x. Donc ça, c'est juste un truc qu'il faut comprendre pour résoudre ça. Mais la probabilité, donc je continue là-haut, fy de x, ça vaut donc, on l'a vu, 0 si x strictement négatif. Et quand on a une valeur absolue, ça se continue en disant que x est compris entre moins racine de x, moins racine de x et racine de x. Si x positif ou nul. Autre façon de faire, hein. Ok, pas de souci, Manel. Autre façon de faire, là, je vous l'ai fait graphiquement parce que c'est une fonction de référence et que vous en connaissez le graphe et qu'il n'est pas trop méchant. Mais on peut le faire aussi par l'équation, hein. X plus petit que racine de x. Ça dépend de deux choses. Ça vous dit que ça, c'est équivalent à écrire x plus petit que racine de x si x positif. Oula, j'ai mal écrit. Si x est positif, et ça revient à écrire moins x plus petit que racine de x si x strictement négatif. C'est la définition de la valeur absolue. Et donc si vous résolvez ça, ça vous donne x plus petit que racine de x, pardon, j'ai oublié l'inégalité, si x positif, et ça vous donne, en multipliant par moins, x plus grand que moins racine de x si x strictement négatif, ce qui... Ah, j'ai remis des petits x. J'aurais dû garder des grands x parce que là, c'est pas très clair ce que je fais du coup. Je réécris proprement les choses. Je remets des grands x, ce sera plus clair. Si grand x positif, et ça vaut ça si grand x négatif, et ça donne donc du grand x plus petit que racine de x si grand x positif, et ça donne du grand x plus grand que moins racine de x. Il y avait un moins ici que j'ai oublié de recopier. Si grand x strictement négatif. Mais moralement, ces deux inégalités remises ensemble, ça donne bien grand x compris entre... Bah, s'il est négatif, il doit être plus grand que moins racine de x. Et s'il est positif, il doit être plus petit que racine de x. Ça donne bien ceci au final. Ah, mais je fais plein d'erreurs de frappe. Je suis désolé, c'est du moins racine de x et pas du racine de moins x. Ça donne bien ceci dans les deux cas. Donc que vous passiez par de la résolution algébrique entre guillemets ou graphique par rapport à votre fonction de référence, je veux que vous arriviez à passer de l'événement que j'encadre en vert en bas à l'événement que j'ai encadré en noir ici. Il faut comprendre la logique des étapes intermédiaires, enfin, il faut savoir passer de l'un à l'autre. Est-ce que ça vous va pour justifier de ceci? Monsieur? Oui, Maxence, j'avais pas vu, t'avais levé la main, pardon. Oui, c'est pas grave. Est-ce que vous pourriez réexpliquer à partir de ce que vous avez encadré en vert pour le graphique, s'il vous plaît? Ok. Bah, je peux effacer mes calculs du bas.
Voilà. Hop, je garde juste ça. Et je vais réécrire juste quelque chose juste au-dessus pour expliquer un truc plus général et l'adapter à notre calcul là. Je comprends juste pas pourquoi racine de x est une droite sur le graphe. C'est absolument pas racine de x qui est une droite. Donc c'est ça qui est mal expliqué dans mon graphe et je vais le réexpliquer. Donc c'est merci Max parce que ça me je comprends mieux pourquoi vous avez du mal à comprendre. Donc c'est parce que j'ai pas mis assez à vouloir aller vite avec mon graphe, je n'ai pas mis assez d'informations dessus. Mais je vais rajouter quelque chose, et là c'est de votre faute parce que vous connaissez pas assez bien vos graphes de référence. C'était absolument pas le graphe de racine de x que j'ai tracé, c'est le graphe de la valeur absolue. Donc, en gros, à chaque fois ce que vous allez avoir, c'est on va vous donner une inégalité du type, quoi qu'il arrive, f de x plus petit que a. Et donc, ce qui va se passer, ce qu'on doit faire par les étapes d'amorce qu'on fait en général, et ça revient à résoudre une inéquation, c'est que si je vous donne n'importe quelle fonction f de x, par exemple, je vais faire ce graphe-là. Et si je vous donne, ça c'est la fonction f de... Ah, je ne voulais pas changer de couleur ici, c'est après que je voulais changer de couleur. F de x. Si je vous donne n'importe quelle barrière à franchir A, par exemple, je vais faire exprès, je veux qu'elle passe en dessous. Ah, mais je fais vraiment des graphes horribles. Je veux que ça passe en dessous. Donc ma barrière A, elle est là, parfait. Voilà. Donc une barrière A. L'ensemble des x qui vérifie, enfin pour lequel f de x est plus petit que a, c'est, si je traite des droites verticales ici, et des points ici, l'ensemble des x pour lequel ma fonction est plus petite que a, ça va de moins l'infini jusqu'à ce point-là, et ça va de là à ici. Donc par exemple, si j'avais une telle fonction f de x, je passerai de l'inégalité f de x plus petit que a, si j'appelle ça l'intervalle, je vais dire n'importe quoi, moins l'infini x0, et ça l'intervalle x1 jusque x2, ça reviendrait à dire grand x appartient à moins l'infini x0 union x1 jusque x2. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe là? C'est ça qu'on cherche à faire à chaque fois. D'un point de vue Théo. Maxence, oui, pardon. Oui, c'est pour ça que j'ai compris. Ok, donc d'un point de vue théorique, vous comprenez ce qu'on cherche à faire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a en vrai, c'est la même chose, mais en général en beaucoup plus simple, parce qu'on peut faire les calculs. Là, avec mon truc théorique, à part regarder le graphe et dire ça fait ça, j'ai pas les calculs, j'ai pas mené les calculs. Donc si je fais la même chose avec mon programme en cours, ce qui joue le rôle de f, c'est la fonction valeur absolue. Donc je trace ma fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue, vous devez connaître son graphe, c'est une fonction de référence. Elle a pour équation dans les positifs, c'est l'équation y égale x. Et dans les négatifs, l'équation, c'est y égale moins x. Est-ce qu'on est bien d'accord sur les deux droites que ça représente et le fait que valeur absolue est une union de deux droites, entre guillemets. De deux demi-droites, pardon. Maintenant, ce qui joue le rôle de mon a qui était en rouge ici, ce qui était la barrière ici, qui est un nombre fixe, c'est le nombre que je mets ici au niveau des ordonnées racine de x. Donc si je crée ma droite au niveau racine de x, instantanément je me rends compte que je vais avoir deux points avec lesquels je vais croiser ici, et donc je vais me retrouver en x avec deux antécédents. Je rappelle que ce que je lis ici, c'est ce qui se passe sur l'axe des y, donc entre guillemets j'ai y qui vaut racine de x. Puisque cette droite a pour équation y égale x, l'antécédent qui est ici, il est évident que c'est racine de x. Et puisque cette droite a pour équation y égale moins x, si y vaut racine de x, l'antécédent, il est évident, ça fait moins racine de x. Et donc maintenant, j'ai bien compris avec mon idée de graphe que j'ai mis en bas, que ce qui était écrit ici, probabilité de valeur absolue de x plus petit que la racine, c'est la même chose que x compris entre moins racine de x et racine de x. Ce qui était ce que j'ai encadré en noir là-haut. Est-ce que ça va mieux, Max? Oui, c'est le racine de x, c'est l'équivalent de notre a. Ce qui joue le rôle de notre variable qu'on cherche à isoler, c'est le grand x, c'est la variable aléatoire. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça, maintenant ?
Très important Oui, d'avoir beaucoup compris mieux. ce principe. Hein. C'est bon, Maxence? Ok. Donc j'efface mes petites inéquations là que j'avais mis pour faire ça. Ça va, Pauline? Parfait, merci. Je préfère 100 fois réexpliquer ça plusieurs fois et être sûr que vous ayez compris le principe plutôt que vous admettiez qu'il y a une ligne de Maginot dans mon cours, ce qui n'est pas le cas. Donc ça maintenant. Bah, ça devient 0 si x négatif, et ça on en a fait un tout petit peu lundi, mais c'est quelque chose qu'il va falloir arriver à manipuler un tout petit peu. Mais dire que c'est la probabilité de x compris entre moins racine de x et racine de x, ça on l'a vu, c'est la probabilité que x est plus petit que racine de x, moins la probabilité que x est plus petit que moins racine de x. C'est toujours le même graphe, hein, dans ce cas-là, c'est on fait un axe. On veut ce qu'on veut, on a le point moins racine de x et on a le point racine de x. Ce qu'on sait bien faire, nous, c'est quand on se donne un réel t, ce qu'on sait faire avec la fonction de répartition, c'est connaître les probabilités jusque-là. Et nous, on veut obtenir, donc ça c'est ce qu'on sait, on connaît des probabilités de ce type-là. Ce qu'on veut obtenir, c'est l'intervalle noir qui est là au milieu. Bah, pour faire cet intervalle noir là, on fait l'intervalle qui va jusqu'ici, qui est tout simplement fx de racine de x, mais ce que j'ai renoté là-haut, probabilité de x plus petit que racine de x. Et moi, je l'ai mis en noir, je vais peut-être pas le mettre en noir, tiens, je vais peut-être le faire en bleu. Et à cette zone bleue qui va de moins l'infini jusque là, j'enlève la zone rouge. Qui va de ici jusque ici, si je fais mes droites verticales, hein. Qui est tout simplement, bah ça c'est fx de moins racine de x. Oui, on peut calculer ça avec l'intégrale si on n'a pas la fonction de répartition, ça revient à la même chose, je peux l'écrire aussi. Ça s'écrit comme ça ou ça s'écrit l'intégrale de moins racine de x à racine de x de f de x dx, de f de t dt, pardon, il faut absolument une autre variable là. Et ça, c'est la probabilité que x soit plus petit que moins racine de x. D'où la double inégalité que je vous ai mis ici. Donc il faut savoir traduire le fait que la zone, l'inégalité noire ici, ce que j'ai mis là-haut, c'est ce que j'ai mis en bleu ici, moins la partie en rouge ici. Et ceci, ça fait de 0 si ça fait 0 si x strictement négatif, et avec ce que j'ai noté, c'est juste fx de racine de x moins fx de moins racine de x. Alors là, maintenant, une fois qu'on a trouvé ça, ça dépend clairement de la fonction de répartition ou de la densité. Donc je vais effacer tous mes petits graphes là à gauche si je peux me permettre pour expliquer vis-à-vis de l'exo en cours, mais sinon pour le moment je n'ai encore rien relié du tout à l'exo en cours. Mais dans mon exo en cours, j'avais par exemple fx de t, allez, je vais mettre un t juste pour qu'on ait une autre variable, qui valait 0 si t était strictement négatif et qui valait 1 moins exponentielle de moins t carré sur 2 si t était positif. Bon, bah là j'ai une expression simple pour ma fonction de répartition, donc je peux finir mon calcul. L'expression simple, elle me dit juste quelque chose sur ces deux valeurs. Cette fonction de répartition a une valeur si on est positif et n'a pas de valeur si on est négative. Donc en fait, dans mon calcul, ça devient du 0 si x strictement négatif. Ça devient du 1 moins exponentielle de moins racine de x au carré sur 2 pour le premier terme. Et je me retrouve avec un moins 0 pour le deuxième terme si x est positif. Tout simplement parce que j'utilise cette expression-là pour la borne en racine de x et j'utilise cette expression-là pour la borne en moins racine de x qui est négative. Ce qui me permet au final d'avoir une fonction de répartition qui est juste 0 si x strictement négative et qui vaut du 1 moins exponentielle moins x sur 2. Si x est positif ou nul. Et ça, on en parle un peu plus tard. Mais j'ai pas envie de perdre énormément de temps à prouver derrière que ceci est une variable à densité.
on saura. C'était pas fx là-haut, c'était du fy. Ça c'était fx, donc excusez-moi, c'est juste que je ne l'ai pas noté ici. Là je suis par contre ici bien sur le calcul de fy. Donc ceci on le verra dans le cours, peut-être tout à l'heure ou peut-être demain après-midi, sûrement demain après-midi. Mais ceci c'est juste une loi exponentielle de paramètre 1 demi. Donc c'est bien une loi de densité, on le sait. On n'a pas encore vu les lois de référence, mais dès qu'on les aura vues, on saura que ça c'est une loi de référence. Donc pas besoin d'aller plus loin pour prouver que c'est une loi de densité. Ce calcul-là suffira. Donc Y est une loi de densité. Voilà pour ça. Voilà pour notre premier transfert non bijectif. Est-ce que pour le moment, ça vous va cette idée de... C'est vraiment une idée de d'être juste précautionneux et pas de faire n'importe quoi. C'est juste vraiment la seule idée un tout petit peu compliquée mais qu'il faut vraiment maîtriser. C'est... Oui, il faut juste être précis. C'est juste qu'on ne peut pas se permettre de juste écrire ça brutalement avec n'importe quel petit x. C'est juste ça qu'il ne faut pas faire. Pourquoi fx de moins racine carrée, ça fait 0, Hugo? Bah, tout simplement, alors là, c'est à voir avec la fonction racine carrée que je vais tracer. La fonction racine carrée, elle est définie dans les positives, mais elle est aussi positive. Donc, on sait que racine carrée de x est un nombre positif. Donc, on sait que moins racine carrée de x est un nombre négatif. Le fait de savoir que ça, c'est positif, ça m'assure que je dois utiliser pour le premier terme l'expression positive de ma fonction de répartition, et le fait que ce nombre est négatif, ça m'assure que pour le deuxième terme, je dois utiliser la deuxième expression. Sachant qu'au pire, en 0, les deux valent 0. C'est pas même si je suis en 0, j'ai aucune difficulté pour écrire ça. Est-ce que ça te va, Hugo? Voilà. Donc c'est juste faire attention à ne pas dire n'importe quoi quand on fait des étapes de résolution de fonctions non bijectives. On avait déjà fait celui-là, là j'ai fait celui-là en non bijectif. Avant d'attaquer le grand classique qui est le 7-4, on va peut-être en refaire un autre. Est-ce que j'en ai un autre? On va faire un vrai exo maintenant. On a lequel? J'ai pas de transfert ici, si. On va tricher un tout petit peu. C'est un exo qu'on fera. Je pense qu'on le fera la semaine prochaine, cet exercice-là en entier. Ouais, mais il y a des paramètres en fait. Je vais simplifier un tout petit peu l'exo. On va faire une variante de l'exercice 13, juste pour pas qu'il y ait de paramètres. Mais qui va me permettre de vous faire un transfert. Alors je le mets non bijectif, il est bijectif, mais il est un tout petit peu compliqué à cause de la fonction de répartition. Donc si, il est bijectif celui-là, mais il est un tout petit peu plus compliqué. J'en ai pas mis un autre derrière. J'ai vraiment pas mis du tout assez d'exo dans mon. Ah non, j'ai celui de l'exercice 12, il sera encore mieux. Bah voilà, c'est un peu la même chose que ce qu'on vient de faire dans l'autre sens. Mais on va le voir. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait, mais dans l'autre sens, en fait. Là, je vais faire une variante de l'exercice 12. On vous donne x qui suit une loi exponentielle de paramètre 1/2. Donc pour le moment, on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, je vais juste vous dire que ça veut dire ça. La fonction f de x à densité, ça elle vaut 0 si x est strictement négatif. Elle vaut 1/2 exponentielle moins 1/2 de x si x est positif ou nul. Et on va aussi dire que fx de x, ça vaut 0 si x strictement négatif, et ça vaut 1 moins exponentielle moins x sur 2 si x positif. Donc je vous donne cette variable x qui a cette loi-là, qui est bien une variable à densité. Et on va faire le transfert de loi. Y est égal à racine de grand x.
Alors, si je veux connaître la fonction de répartition y égale racine de grand fy de x, c'est donc la probabilité que y soit plus petit que petit x, c'est donc la probabilité que racine de grand x soit plus petit que petit x. On se retrouve pour cet exercice-là dans la même situation que tout à l'heure. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Tout simplement parce que on peut avoir des problèmes avec la fonction. Notamment une fonction racine, on sait qu'elle ne peut pas être négative. Donc on peut juste dire tout simplement qu'on va séparer en deux cas, comme tout à l'heure. Ça fait 0 si x strictement négatif, car racine carrée de x ne peut être négatif. Maintenant qu'on sait qu'on a un nombre positif, dans l'autre cas, on peut composer par la fonction, dans l'autre sens, on va composer par la fonction carré. Mais en composant par la fonction carré, si x est positif, on a une chance, c'est que la fonction qui a x donne x carré, elle est strictement croissante dans les positifs. Donc elle est bien bijective si on se restreint au positif, cette fonction carré. Donc on n'a pas de problème pour composer dans ce sens-là. Donc on se retrouve avec la probabilité que x soit plus petit que x carré. Donc on se retrouve clairement avec une fonction qui vaut 0 si x est négatif et qui vaut fx de x carré si x est positif. Donc qui vaut tout simplement 0 si x est négatif et un carré étant toujours positif, je sais quelle expression j'utilise, qui vaut 1 moins exponentielle de moins x carré sur 2 si x est positif. En fait, en faisant l'exercice 12, on fait exactement le transfert inverse de celui de tout à l'heure. Ce qui était logique, hein. On avait posé y qui valait x carré dans un sens. Là, je viens de faire la racine carrée dans l'autre. Je retombe forcément sur la même chose derrière. Est-ce que ça vous va sur la subtilité du 0 qui est ici? Sur le fait qu'ensuite je peux composer n'importe comment parce que la fonction carré est bien strictement croissante sur 0 plus l'infini, encore une fois. Si on la trace uniquement sur 0 plus l'infini, la fonction carré, elle fait quelque chose comme ça. J'ai pas de problème d'objectivité. Bah après, là, les calculs se font très facilement vu qu'il n'y a pas de problème sur quelle expression j'utilise à quel endroit. Voilà, c'était pour vous donner un deuxième exemple rapide, simple, mais de ce qu'il faut prendre en compte. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué que les transferts bijectifs. Une fois qu'on l'a vu, c'est pour ça que je ne pouvais pas vous les laisser faire sans que je vous explique des choses, parce que vous auriez eu des résultats un peu bizarres, faux. Mais une fois qu'on a compris le principe fondamental qu'il faut être concentré quand on gère une fonction non bijective, c'est pas très très compliqué. Alors, on va faire le 7-4, et le 7-4, c'est un résultat ultra classique qu'il faut limite apprendre par cœur. Ça fait partie des questions qui tombent fréquemment au concours et qu'il faut savoir refaire et qui ne sont pas si faciles que ça. C'est un lien entre loi exponentielle et loi géométrique. On en parlera aussi peut-être demain après-midi de ce lien en termes de sens. D'explication, de modélisation de variables. Mais ça, c'est vraiment l'exo de la journée que je veux qu'on ait maîtrisé. Alors, hop. Donc je fais l'exercice 7-4. L'exercice 7-4, c'est on vous dit que x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, et je vais juste l'écrire comme ça nous suffira largement ici. Ou je peux utiliser aussi la fonction de répartition. Donc ça vous dit que la densité, c'est 0 si x strictement négatif, et que ça vaut lambda exponentielle moins lambda x si x positif ou nul. Et on peut utiliser, si on en aura besoin, on utilisera le fait que la fonction de répartition de x. C'est tout simplement 0 si x strictement négatif et ça vaut 1 moins exponentielle moins lambda x si x est positif ou nul. Donc on sait ça, on admet ces deux expressions de fx et de petit f.
Et on veut déterminer la loi de Y qui vaut partie entière de X plus 1. J'ai une toute première question avant d'aller beaucoup plus loin sur cet exercice-là. C'est quoi comme type de loi cette variable y? Sans préciser le. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est une variable à densité? Est-ce que c'est un autre type de variable? Sans préciser sa loi exactement, mais juste comme type de variable. À cause de la partie entière, c'est évident. Est-ce que c'est une variable à densité ou est-ce que c'est un autre type de variable, cette variable y? Oui, Oussama, exactement. Manon aussi, parfait, c'est exactement ça. C'est une variable, ça va devenir instantanément, à cause de la partie entière, une variable discrète. On ne sait pas, elle est peut-être à support infini. On va réfléchir à quel est le support de cette variable y. Mais en tout cas, c'est une variable discrète. Puisque c'est une variable discrète, on ne va pas travailler sa loi par les fonctions de répartition. On va travailler sa loi comme on le fait depuis le début de l'année pour les variables discrètes, c'est-à-dire on va trouver son support. Et une fois qu'on aura trouvé son support, on va travailler la probabilité d'être égal à n'importe quel élément du support. Pourquoi c'est une variable discrète? Bah, si tu traces, tout simplement, la fonction partie entière, Maxence. La fonction partie entière, c'est une fonction qui fait ça. Hop, escalier, escalier, escalier. En 0, elle fait ça. Escalier, escalier, escalier. Donc, c'est plat partout. Donc, si je dois tracer l'ensemble d'arrivées, si encore une fois je veux voir ça, donc là, ma fonction partie entière de x, c'est ma fonction f de x. Donc, si je vois ça là comme une fonction grand f de x, l'ensemble des valeurs images, c'est ça. Il n'y a que ça comme valeur image, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc ce ne sont, entre guillemets, au pire du pire, je sais que ma variable y de y va prendre ses valeurs dans grand Z. Et grand Z, c'est bien un ensemble discret. C'est bien un ensemble qui prend des valeurs non continues entre elles, entre guillemets. Donc sans réfléchir plus loin en termes de variables, je sais instantanément qu'elle va être discrète parce que en passant à travers la fonction partie entière, elle ne peut plus prendre que des valeurs entières. Donc je sais déjà que y de oméga inclus dans z, donc ça m'implique instantanément que y est discrète. Alors, j'efface mon graphe, c'était juste pour vous l'expliquer, mais vous connaissez ce graphe. Je vais te faire par contre le graphe vite fait de ma variable fx et de ma fonction petit fx. Je vais les faire successivement pour qu'encore une fois on fasse des liens. Mais ma fonction petit fx, c'est une fonction qui est nulle ici et qui décroît comme ça ici. Donc voilà. Si je fais un point ici pour séparer, trois petits points, voilà ma surface. Et en dessous, si je fais le même graphe, mais qu'ici je mets du grand fx, je me retrouve bien avec une fonction qui est nulle jusqu'ici, qui ensuite croît comme ça vers 1, sachant que bien sûr, la valeur qui est là, juste l'ordonnée qui est ici, c'est bien sûr la surface qui est là en dessous. On a déjà fait ce lien plusieurs fois. Si je fais bien sûr mes graphes comme il faut. Vous avez un graphe bien mieux fait dans le poly pour ça que ce que je viens de faire au tableau. Mais juste pour expliquer ça. Ma fonction de répartition, elle a cette valeur-là, et ma fonction de densité, elle a cette valeur-là. Encore une fois, je vous ai dit que ce n'était pas au programme et que ça n'a pas trop de sens et que j'ai pas envie que vous réfléchissiez trop à comment définir ça proprement, c'est pas à faire. Mais si je devais définir x de oméga, ça prend quoi comme type de valeur x, la variable grand x? Vu les dessins. Comment on lit, on a l'expression de f de x et de fx? Je vous la donne.
Mais le graphe, ça après, c'est des graphes, c'est une exponentielle négative pour le graphe de petit f. Et je sais juste que la fonction fx, c'est une fonction croissante qui va de 0 à 1, et entre les deux, je mets une exponentielle négative, entre guillemets. Mais l'expression, c'est je vous les donne. Et dans demain, la réponse, ce sera l'expression, c'est du cours. Une loi exponentielle, on aura l'expression de fx et de grand, enfin, de petit fx et de grand fx. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que je veux appeler x de oméga? Voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que cette fonction, elle prend ses valeurs dans 0 plus l'infini, exactement. Cette variable x ne peut pas prendre de valeur négative. Ou entre guillemets, ce qu'on peut écrire et qui est vrai, c'est qu'on a x qui est super. La probabilité de x positif, et ça c'est vrai, on peut l'écrire, c'est égal à 1. On peut traduire ça par x est positif. Alors je vous rappelle, c'est du vocabulaire sur les variables aléatoires qu'on avait vu, mais ici je vais l'écrire comme ça. X est positif presque sûrement. Un événement de proba 1, on ne peut pas dire qu'il arrive forcément, un événement de proba 1, parce qu'on ne peut pas forcément le réaliser. Je rappelle mon lancer de pile ou face. Même si je fais un lancer de pièces équilibré, je suis sûr au bout d'un moment d'obtenir un pile. C'est un événement de proba 1 d'obtenir un pile, mais je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'obtiens le pile. Et pour pouvoir réaliser l'événement, je dois peut-être aller jusque l'infini. Donc je ne peux pas forcément le réaliser. Donc on dit juste qu'un événement de proba 1, on ne dit pas que c'est vrai, on dit que c'est vrai presque sûrement. Donc ça, ce qu'on peut dire, c'est que x est positif presque sûrement, donc avec proba 1. Donc on peut écrire que x supérieur ou égal à 0, ce qui implique forcément que x plus 1 est plus grand que 1, ce qui implique que la partie entière de x plus 1, bah, tout simplement, appartient à n étoiles, c'est sûr et certain. Donc c'est juste ce qu'on va pouvoir dire. Donc y de oméga, par ce petit raisonnement-là, on sait que y de oméga, il est inclus dans n étoiles. Maintenant, je sais que ma variable y ne peut pas prendre de valeur négative ou nulle. Je vais prouver que y de oméga c'est n étoile en faisant les calculs de proba en fait. Parce qu'en faisant les calculs de proba, je vais montrer que toutes ces probas-là sont non nulles. Donc clairement, le support, ça devient exactement n étoile. Alors, oups, j'ai effacé une probabilité quelque part que j'aurais pas dû. Allons-y. Faisons maintenant qu'on sait ça, le calcul de ces probabilités. Donc encore une fois, puisqu'on sait que y est discrète, on va aller calculer pour tout n appartenant à n étoiles, on va aller calculer la probabilité de y égale n. La probabilité de y égale n, encore une fois, c'est du transfert de loi. C'est la probabilité que partie entière de x plus 1 égale n. Alors là, je vais demander à quelqu'un. Hop. Numéro 7. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Charlotte, quelle inégalité devient cette égalité-ci si j'enlève la partie entière? Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut dire sur x plus 1 en termes d'inégalité si on sait que sa partie entière vaut n? Je ne sais pas du tout. Ben, réfléchis. Enfin, un nombre qui a une partie entière de 3, Charlotte, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce nombre réel? Il est compris entre quoi et quoi? Entre ce qui est plus petit que 3 et ce qui est plus grand. Pardon? C'était pas très très clair ça. Un nombre qui a une partie entière de 3. Est-ce que 4,2 a une partie entière de 3? Non. Non, donc c'est quoi un nombre qui a une partie entière de 3? Trois. Ça commence à 3, donc ça voudrait dire que ce nombre il est supérieur ou égal à 3 et il est strictement plus petit que 4 dans notre exemple. Oui. Donc ici ça se traduirait par du n plus 1 tout simplement. Voilà, ça il faut. Alors, c'est la même chose, je vais le refaire dans l'autre sens, je vais le refaire avec mon graphe que je vous ai fait tout à l'heure, mais il faut pouvoir passer de l'un à l'autre. La fonction partie entière, si je vous la retrace, alors je ne vais pas la retracer partout, mais je vais la retracer
Je vais mettre les points, par exemple, je ne sais pas, n-1, n, n plus 1. Cette fonction, elle vaut en n-1, elle vaut n-1 jusque ici. Donc là, ici, en ordonnée, j'ai n-1. En n, elle fait un saut, elle vaut n. Ici, elle refait un saut, elle vaut n plus 1. Donc j'ai une fonction qui fait ça. Donc ce que je cherche à résoudre, c'est quand est-ce que l'image fait n? Quand est-ce que l'image fait n? Quand mes antécédents sont ici. Donc compris entre n et n plus 1 strictement, c'est ce que je viens d'écrire. Pourquoi c'est inférieur strictement à n plus 1? Toujours la même chose, Mohamed Amine. Ça dépend de où tu mets tes croix et où tu mets tes déports. La partie entière, elle a été définie comme l'entier entier inférieur ou égal au nombre. Ce qui fait que partie entière de 3, ça fait 3. Et partie entière de 4, ça fait 4. Donc la valeur de l'entier au moment du saut, la croix est ici. Ce qui veut dire que quand je suis en 3,99999, la partie entière vaut encore 3. Mais dès que j'arrive à 4, je décroche. Donc parce qu'il y a un décrochage dans ce sens-là, l'inégalité est stricte au niveau de n plus 1. Est-ce que ça va, cette inégalité sur la partie entière qu'il faut maîtriser? C'est juste la définition du graphe de la partie entière et traduire la notion d'antécédent ou ce genre de choses. Ben là, en fait, j'ai gagné quelque chose parce que ça, je peux le réécrire maintenant si je fais, entre guillemets, moins 1 dans les événements. Ça revient à dire que c'est la probabilité que x compris entre n-1 est strictement plus petit que n. Je suis donc revenu à cette ligne-là, à ma fonction de répartition de x avec mes fameux graphes là. Je veux, si je trace un axe, la probabilité comprise entre n plus 1, pardon, excusez-moi. Je veux une probabilité qui est comprise entre n-1 et n. Donc je veux cette probabilité-là, sachant que moi ce que j'ai accès facilement, c'est la probabilité d'être plus petit qu'eux. Donc j'ai accès à celle-ci en vert, qui est la probabilité d'être plus petit que x plus petit que n plus 1, n-1, pardon. Et j'ai accès à cette probabilité-là en bleu de x plus petit que n. J'exprime donc mon événement n-1n comme... Alors attention, je vais bien faire les choses. Ça, c'était l'idée, des petits graphes à côté. Mais je rappelle que j'ai une inégalité stricte ici. Donc on va devoir regérer pour une fois une inégalité stricte. C'est pas très très compliqué, mais ça nécessite que vous écriviez un argument sur votre copie. Donc ça, on va dire que c'est la probabilité de x strictement plus petit que n moins la probabilité de x inférieur ou égal à n-1. Je peux même mettre des strictement, c'est pareil. Tout à l'heure, on l'a fait avec des larges, de toute façon, c'est pas très très grave ça. Non, si je vais être parfaitement correct ici, c'est vrai qu'il faudrait limite que je mette un strictement. Bon, c'est pas. Je peux mettre des stricts des deux côtés, de toute façon, je dois justifier le strict pour le n, donc je vais être bloqué par le strict juste après. J'élève ma densité et ma définition de ma loi exponentielle, même si on va encore en avoir besoin. Vous avez eu le temps de la noter. Donc imaginons, j'ai des inégalités larges. Je réécris là-haut que c'est la probabilité de y égale n que je veux. Le problème, c'est que si je fais ça avec des inégalités strictes, moi, ce que je connais dans mon cours, ma fonction de répartition, c'est des inégalités larges. On ne l'a fait qu'une seule fois pour le moment, mais on l'a déjà fait. Pourquoi c'est pas grave du tout si j'ai des inégalités strictes pour x? Emma, tu peux couper ton son? Merci. Je disais, pardon, oui, j'ai des inégalités strictes.
Comment, pourquoi est-ce que ce n'est absolument pas grave d'avoir des inégalités strictes? Est-ce que quelqu'un a l'argument? On l'a utilisé déjà une fois cet argument. Il va revenir assez classiquement sur les variables à densité. Je rappelle que x est à densité et que c'est ça qui va nous servir comme argument. Louis? Parce que la probabilité que x ça vaut n, elle vaut 0, puisque c'est défini par une intégrale. Exactement, très très bien Louis, c'est exactement ça l'argument. Donc l'argument qu'il suffit d'écrire, et vous n'avez pas besoin de dire de plus que x est à densité, mais c'est exactement ça qu'il faut comprendre et faut que vous manipuliez. Le lien entre ça, c'est que l'événement x plus petit que n, c'est x strictement plus petit que n, union x égale n, et que ce deuxième argument x égale n, cette probabilité-là, elle est nulle parce qu'on a une variable à densité, parce que c'est l'intégrale de n à n de quelque chose et ça vaut 0. Donc à partir de là, comme x est à densité, ça c'est la même chose qu'écrire la probabilité de x plus petit que n moins la probabilité de x plus petit que n moins 1. Et donc ça devient juste de la fonction de répartition de x pris en n moins la fonction de répartition de x pris en n moins 1. Puisque ceci, ces deux nombres, je vous rappelle qu'ils sont positifs parce que n, il était dans n étoiles. Donc je sais quelle expression de ma fonction de répartition je veux utiliser. Je veux utiliser l'expression où c'est non nul en fait, tout simplement. Donc si j'utilise maintenant l'expression de ma fonction de répartition où c'est non nul. Ça va me donner ceci. 1 moins exponentielle moins lambda n moins, et je remets des parenthèses pour ne pas faire d'erreur sur le moins n moins 1. Donc ça me fait du exponentielle moins lambda n moins 1 moins exponentielle moins lambda n. Alors ce nombre. Oui, Maxence. Oui, alors dans la technique, moi je comprends que l'intégrale de n à n, ça vaut 0. Oui. Mais si on fait ça pour tous, c'est-à-dire que l'intégrale de n moins 1, ça vaut 0, etc., etc. Oui. Et du coup, si on fait cette logique-là, l'ensemble fait 0. Non. Alors tu vas faire châle. Il y a une différence fondamentale entre ceci. Parce que si tu veux me faire châle autant que toi que tu veux, hein, tu vas de n à n, puis tu vas de n plus 1 à n plus 1, qu'est-ce qui reste au milieu si tu veux vraiment appliquer châle pour une intégrale? Ben, il reste toujours n à n plus 1. C'est justement ça. En Ah fait, si d'accord, tu ok. fais châle sur cette. Dès que tu vas mettre deux points d'une bande du bas différent de la bande du haut, châle. T'empêche de. Tu peux faire autant de fois que tu veux de n à n et de n plus 1 à n plus 1. Ça fera 0. D'accord, Il te ok. restera toujours l'intégrale au milieu. Et donc, non, là, ça a vraiment une surface. Bah ça marche, ça va bien là. Ok. Effacer mon n dans n étoile. Alors, là, je vais juste finir le calcul. Dans un sujet de concours, ce serait très certainement guidé. Par exemple, c'est trouver la loi de y. Et par exemple, la question d'après, ce serait justifier que Y est une loi de référence. Alors, cette loi-là de Y est une loi de référence. Alors, maintenant, je viens donc de prouver que quel que soit n dans n étoiles, j'avais une probabilité qui est celle-ci, qui est donc non nulle. Donc, si c'est une loi de référence, il n'y a plus le choix. Si c'est une loi de référence dont le support, c'est y de oméga qui vaut n étoile, on n'a qu'une seule loi de référence qui a support dans n étoile. C'est la loi géométrique. Donc ceci est maintenant nécessairement, si je vous dis que c'est une loi de référence, une loi géométrique, reste à trouver une loi géométrique de quel paramètre? Et là, j'ai juste une question technique. Qu'est-ce que je fais comme opération calculatoire technique pour essayer de faire apparaître la loi géométrique? Ça peut se voir en deux étapes.
Moi, je sais comment je le fais en première étape, mais vous le faites peut-être dans un autre sens. J'ai vu des élèves me le faire dans l'autre sens, et en fait, je trouve ça peut-être même mieux. C'est juste que moi, mon cerveau n'est pas câblé dans ce sens-là. Si vous voulez faire apparaître une loi géométrique, il n'y a pas le choix. Il faut faire apparaître du q puissance n moins 1 fois p. Ou du 1 moins p puissance n moins 1 fois p. Moi, si je le vois comme ça, on compose par ln. Alors, si tu composes par ln, tu ne calcules plus la probabilité. Je rappelle que si tu composes sur la quantité finale là-bas, Alexis, tu composes au début. Donc, tu es en train de me parler des ln des probas. Donc, ça change rien au problème. Tu transfères juste le problème de devoir trouver ce nombre-là à devoir trouver ce nombre-là. C'est juste ça. Oui, c'est une factorisation. Moi, je le vois comme ça, Pauline. Il y a une autre façon de le voir, donc je vais mener les calculs de deux façons différentes ici. Mais moi, je le vois comme une factorisation. Alors attention, ça c'est du moins lambda n moins 1, ça c'est du moins lambda n. Donc le terme le plus petit commun aux deux, c'est exponentielle moins lambda n moins 1 en fait. Si on fait ça, on va pouvoir factoriser ça en 1 moins. Et ce qui me reste dans la parenthèse, c'est du moins lambda n. Alors si j'y vais doucement, mais c'est juste des règles d'exponentielle, plus lambda n moins 1. C'est juste les règles sur l'exponentielle qui me disent ça. Ce qui fait que j'ai du exponentielle moins lambda n moins 1. Et derrière, ce qui me reste, c'est un 1 moins exponentielle de moins lambda. Les n se simplifiant, il me reste plus que du 1 moins exponentielle de moins lambda. Et là, en fait, j'ai gagné parce que je peux remarquer quelque chose, c'est que ça, c'est du exponentielle moins lambda, le tout à la puissance n moins 1, facteur de 1 moins exponentielle moins lambda. Et ceci, cette expression-là, ça ressemble quand même ni plus ni moins qu'à cette expression-là. Et donc ce calcul, on peut aussi le mener d'une autre façon. C'est qu'on peut aussi juste dire que ça, c'est du exponentiel moins lambda puissance n moins 1 moins exponentiel moins lambda puissance n, avec les règles sur l'exponentielle. Maintenant, on factorise ensuite par exponentiel moins lambda puissance n moins 1. Et dans ce cas-là, il nous reste bien du 1 moins exponentiel moins lambda direct. Enfin, c'est le même calcul, vu d'une autre façon. Mais en tous les cas, j'ai cette dernière réponse pour la probabilité de y égale n. Et donc, je vais embêter quelqu'un pour faire le dernier effort sur lequel il ne faut pas se tromper dans une copie de concours quand vous devez annoncer ce que vous avez trouvé. Je l'ai écrit là-haut et on a fini. Probabilité de y égale n, ça fait du exponentiel moins lambda puissance n moins 1, 1 moins exponentiel moins lambda. Hop. 12, c'est qui en 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maxence, qui participe déjà, mais tant pis pour toi, ça retombe sur toi. C'est donc une loi géométrique de quel paramètre, Maxence, cette loi Y? De quel paramètre? Oui, quel est le paramètre de la loi géométrique? Souvent, c'est un paramètre P que vaut P. Je sais pas. Ouais, j'ai pas d'idée. Alors, c'est pas grave, mais Alexis, c'est pas grave, Maxence. Alexis, t'as une idée? C'est A moins expo moins lambda. Oui. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut pas se tromper. Attention, j'ai souvent l'erreur, je ne sais pas pourquoi, de personnes qui me disent, bah donc le paramètre c'est exponentielle moins lambda. Non, non. Ce qui joue le rôle du exponentielle moins lambda ici, c'est la même chose, pardon, que ce qui joue le rôle de q à l'intérieur ici de la puissance n moins 1. Donc ce qui joue le rôle de p, c'est ce qui est à l'extérieur ici. C'est donc le 1 moins exponentielle moins lambda.
C'est donc une loi géométrique de paramètre p égale 1 moins exponentielle moins lambda. Ce calcul est classique. Il y a beaucoup de sujets de concours sur les variables à densité qui parlent de loi exponentielle, qui finissent par ce petit calcul ramenant les choses à la loi géométrique. Dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça peut être aussi un problème de maths discrète qui utilise des lois géométriques et qui après veut faire une limite quand n tend vers plus l'infini. Et en fait, la limite quand n tend vers plus l'infini va tendre vers une loi exponentielle. Il y a plein de choses comme ça qui traînent là-dessus. Mais donc ce lien entre loi géométrique et loi exponentielle, il faut savoir l'établir. C'est pas du cours, c'est absolument pas du cours, c'est un vrai exo. Mais je trouve que c'est un classique qu'il faut savoir établir. Est-ce que ça va sur les différentes étapes? Le fait que... Alors, je résume. En 1, le fait qu'il y ait une partie entière, ça impose le fait que la variable y va être discrète. On part donc sur les règles de calcul des variables discrètes. Une fois qu'on fait les règles de calcul de variables discrètes, on tombe sur la fonction de répartition de la variable x. Et dernière chose, c'est si on nous demande de reconnaître que c'est une loi de référence, ben, il n'y a plus le choix. À cause du support, c'est une loi géométrique. Il ne reste plus qu'à factoriser en conséquence pour faire apparaître le paramètre. Manon, oui, tu as une question? Est-ce que vous pourriez expliquer comment on arrive à déterminer le paramètre? Moi, j'ai pas compris. Ok. Donc, je peux effacer tous mes calculs en bas. J'ai cette réponse finale pour mon calcul. Alors, c'est parce que je sais que je veux... Alors, hop. C'est une sorte d'analyse synthèse, mais très rapide et mal faite, parce qu'on n'a pas besoin de faire la synthèse, en fait, entre guillemets. L'idée, c'est, je l'ai écrit comme ça parce que je sais qu'une probabilité de loi géométrique de paramètre P, si ça suit une GP, c'est du P fois 1 moins P puissance N moins 1. Donc, je sais que je dois identifier un terme puissance n moins 1. Là, j'ai bien la même chose. Et je dois identifier devant une constante multiplicative. Et je sais juste qu'en termes d'identification, c'est la constante multiplicative qui est ici, qui joue le rôle du paramètre p que je mets là-dedans. Donc, on peut utiliser q égale à moins p. Bien sûr, le q, c'est 1 moins p, c'est la même chose. C'est... Oui, bien sûr. Oui, c'est la même chose, du coup. Mais c'est juste ça. Donc, clairement, par analogie des deux écritures, il est évident que choisir P égale 1 moins exponentielle moins lambda convient. Il y en a, officiellement, je n'ai pas fait ma synthèse, il y en a peut-être d'autres qui conviennent. Ce n'est pas le cas, hein, ça n'existe pas. Mais pour moi, d'un point de vue analyse, ça suffit de dire que si je pose P égale 1 moins exponentielle moins lambda, j'ai donc bien 1 moins P qui vaut exponentielle moins lambda, ça correspond bien avec les termes en vert, pardon. Et j'ai bien la puissance n moins 1 qui apparaît classiquement. Donc j'ai bien la même expression d'un côté et de l'autre si je pose p égale 1 moins exponentielle moins lambda. Est-ce que ça te va, Manon, le fait que c'est juste je connais ma formule de cours et je cherche à la réécrire et à trouver le paramètre qui marche. Et puisque j'ai mis une puissance n moins 1, il n'y a plus trop le choix, en fait, entre guillemets. Ça se résume à ça. Ok. Bah, ceci, c'est le transfert entre guillemets le plus dur qu'on peut faire, hein, je pense, tout simplement. C'est un transfert classique. On va en refaire plein des transferts à travers plein d'exos. Tous les exos de la feuille, maintenant qu'on a vu les transferts, on peut les faire. La seule chose qui nous manque, et la seule chose dont on doit encore parler maintenant, c'est des variables de référence. Alors, je vais quand même faire une toute petite parenthèse de 2 minutes. Sur une propriété du poly dont on n'a pas encore parlé, je vais la mettre dans le chat pour que vous l'ayez. Non, ça marche plus, il faut que je refasse prendre un instantané. C'est une toute petite propriété, elle est officiellement au programme, donc je suis obligé de vous la mettre dans le poly. Bon, on vient de faire toutes les transferts de loi sans jamais en parler. Officiellement, au programme, vous, un peu comme vous savez, pour les changements de variables dans une intégrale, vous devez savoir poser par vous-même un changement de variable affine. Les changements de variables non affines vous seront donnés, mais vous devez savoir poser par vous-même un changement de variable affine. Bah, les transferts de loi de variables à densité, pour moi, c'est un peu la même chose.
tous vos exos vont vous donner des transferts de lois un peu quelconques, et il faut savoir faire des transferts de lois. Mais le programme et le cours vous assurent de comment faire un transfert de loi affine. C'est-à-dire que pour faire un transfert de loi affine, on en a fait un l'autre fois, c'était par exemple y qui valait moins 2x plus 1. Donc comment on faisait? On avait fait y plus petit que x, c'était moins 2x plus 1 plus petit que x. Puis on avait enchaîné et ça avait donné, ça fait moins 2x plus petit que x moins 1. Et ensuite j'avais divisé par moins 2, ce qui nous avait donné du x plus grand que moins 1 demi de x moins 1. Ça, on l'a fait mardi. Et donc à la fin, on était lié à du 1 moins la fonction de répartition de x pris en moins 1 demi de x moins 1. Bon, je vous laisse refaire les calculs, mais je vous assure qu'on avait fait quelque chose de ce genre-là, mardi. C'était notre premier exemple, ça demandait du travail, il y avait des vrais résultats à faire dessus. Mais on sait établir ça, tout comme on sait faire des transferts de lois généraux. Vous avez dans le cours une formule pour pouvoir faire un transfert de loi affine. C'est-à-dire que si x est une variable à densité f, si a et b sont deux réels et composent y égale à x plus b, alors on est certain que la variable y est à densité, on connaît même sa densité. Je ne vous conseille pas d'apprendre par cœur cette formule à moins que vous ayez des places mémoire hallucinantes, parce qu'il ne faut surtout pas oublier la valeur absolue que vous voyez dans la propriété de cours sur la densité. La nouvelle densité, c'est du 1 sur valeur absolue de A, f de x moins b sur A. Génial. Et la fonction de répartition de x, ça vaut fx de x moins b sur A si A positif, et du 1 moins fx de x moins b sur A si A est négatif. Donc c'est exactement ce qu'on a obtenu au cas par cas en faisant un transfert classique avec des méthodes classiques que vous devez déjà définir. Sans avoir à connaître la formule par cœur. Donc à vous de voir si vous voulez apprendre cette formule. Je ne vous en voudrai jamais si vous ne la connaissez pas. Par contre, je pense que cette formule, elle a un intérêt. Donc je vais écrire la propriété 7 utile. Pour moi, la seule chose à quoi sert cette variable, c'est que vous avez officiellement au programme ce principe-là. C'est que si x est à densité, si x est une var à densité, instantanément, vous savez que y égale ax plus b est une variable à densité. Et pour moi, il n'y a rien de plus à pouvoir énoncer et balancer instantanément. Cette propriété 7 du cours vous inclut ce résultat-là. Et la seule chose que vous pouvez balancer, c'est par exemple si on est rapide, si on vous fait faire un transfert de loi affine, moi ce que je ferais c'est de dire, bah, puisqu'on fait un transfert affine, je suis sûr et certain d'obtenir une variable à densité. Et donc par exemple, je vais vous en refaire un deuxième pour vous le donner, mais si par exemple on vous demande derrière quelle est la densité de cette nouvelle variable, parce que souvent quand on fait un transfert affine, on ne vous demandera que la densité de la variable. Par exemple, si je fais le transfert affine y égale 3x plus 7, on ne vous demandera très souvent que la densité de la variable parce que on a la formule de cours qui était marquée là, g de x égale 1 sur valeur absolue de a f de x moins b sur a, là. Génial. À cause de ça, on va sûrement vous demander que la densité pour que ça marche bien. Enfin, pour gagner du temps, pour ne pas passer par la fonction de répartition. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ceci. Ça prend pas très très longtemps. C'est écrire fy de x, c'est probabilité de y plus petit que x. Probabilité donc de 3x plus 7 plus petit que x. Je vais un tout petit peu vite parce que c'était juste pour vous expliquer le principe. Ça fait probabilité de x plus petit que x moins 7 sur 3. Donc ça fait fx de x moins 7 sur 3. Au cas par cas avec les constantes qu'on vous donne. Donc si vous savez ça, ben maintenant, comment vous trouvez la densité? Vous dérivez la composée. Donc, g de y, de x, c'est la dérivée, entre guillemets, de x moins 7 sur 3 prime. Encore une fois, avec mes mauvaises notations, c'est juste pour vous, c'est ça de x.
Donc vous dérivez ça comme une composée. Si vous avez besoin de poser a égale x moins 7 sur le 3, vous le faites. A égale x moins 7 sur 3, ce qui fait que a prime ça fait 1 tiers. Vous faites donc du a prime fois du f prime de x de a. Ça fait donc du a prime fois f de a et ça devient instantanément du 1 tiers de f de x moins 7 sur 3 et on a retrouvé en quelques calculs la formule à connaître par cœur ici. Donc je ne vous empêche pas de connaître cette formule par cœur. Apprenez-la si vous avez de la case mémoire. Nous savons, vous et moi, que vous avez d'autres choses à apprendre en maths, comme par exemple savoir faire vos inégalités sur connaître vos graphes de fonctions, valeur absolue, racine, partie entière, n'est-ce pas, qu'on a revu aujourd'hui, avant d'apprendre par cœur cette formule. Mais si vous avez de la place près de mémoire, apprenez-la. Sinon, elle n'est absolument pas obligatoire pour moi, parce que les calculs qui détournent autour se font de façon très 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 rapide. Est-ce que ça vous va sur ce transfert de loi affine qui est officiellement, dont on a tous les résultats, on peut les admettre sans jamais les calculer, mais qu'on peut aussi retrouver assez vite. C'est le transfert le plus simple, le transfert affine. Et vous devez savoir faire de toute façon votre transfert. La preuve des exos que je vous ai donnée. Ça vous va ça? Oui, Simon? Ok. Alors. On va pas avoir le temps de tout faire, mais de toute façon, il va juste falloir digérer le cours un tout petit peu. Donc, je vais commencer un tout petit bout de cours ici, et on le finira demain. On va définir nos lois de référence. Alors, c'est la dernière chose qui nous reste, c'est vous avez un peu comme la loi géométrique, dont il faut connaître les probas, la loi de Poisson, la loi binomiale, la loi de Bernoulli et la loi uniforme discrète. Vous avez trois lois de référence à connaître en variable. À densité. Je vais même dire ça sur 4 parce que je vais distinguer la loi normale N01 des autres lois normales parce que la N01 est 100 fois plus utile que les variantes. Donc, commençons. La loi dont j'ai le plus parlé pour le moment dans les exercices et qui est assez pratique, j'en reparlerai demain un tout petit peu de cette loi, c'est la loi exponentielle. Donc la définition, on dit que x suit une loi exponentielle de paramètres lambda si et seulement si x est une variable à densité dont une densité. Alors j'avais fait gaffe, il faut que je relise mon poly parce que je ne sais jamais comment officiellement le programme a mis le 0. Le 0, il est dans les négatifs. Dont une densité est f de x qui vaut 0 si x négatif équivaut lambda exponentielle moins lambda x si x strictement positif. C'est la définition. Point. On dit que c'est une variable exponentielle si ça a cette densité-là. Si. Alors, bien sûr, attention, il y en a plein de variantes, hein, et dans les exos, ne vous fiez pas à ça. Si j'ai bien mis une densité. Parce que ici j'ai mis 0 si x négatif ou nul, mais si je vous mets 0 si x strictement négatif, et si je vous mets celle-là si x positif, ça marche aussi. Ça définit aussi une loi exponentielle. Donc il suffit d'avoir cette forme-là de fonction de densité. Et instantanément, ce que j'ai utilisé plusieurs fois dans le poly jusque-là, instantanément ce qu'on a c'est que en propriété, c'est que la fonction de si x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, la fonction de répartition de x, bah elle vaut 0 si x strictement négatif, et elle vaut 1 moins exponentielle moins lambda x si x positif ou nul. Ces deux résultats, même la propriété, sont à connaître par cœur. Trop de fois, on va vous demander de reconnaître une loi exponentielle. Et donc, si vous avez fait le transfert, ça se fait par les fonctions de répartition. Si vous ne connaissez pas ce deuxième résultat, vous n'allez pas reconnaître votre loi exponentielle. Et la définition, de toute façon, toutes les définitions sont à connaître. Donc, il faut connaître par cœur ce résultat-là. Encore une fois,
Je peux me permettre de vous mettre un x strictement positif et un x négatif ou nul ici, ça ne change strictement rien, cette propriété. Les deux expressions ont la même valeur au point 0. Donc les deux expressions sont valables pour définir la fonction de répartition de la variable exponentielle. Voilà pour les propriétés basiques. Il me reste que 5 minutes. Je vais juste parler d'un seul résultat. On fera le calcul de variance demain. Je vais finir de parler des propriétés de cours. Je vais finir la propriété 13. Mais on fera les calculs de ça demain, à mon avis. Je vais admettre le calcul d'espérance et on fera le calcul de variance. Maintenant, et c'est la fin de la propriété 13, si x suit une loi exponentielle, et ça devient du cours maintenant, l'espérance de x. Alors, première chose, tiens, je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas mis dans le poly, mais qu'on peut admettre et que vous le verrez l'année prochaine, c'est que x admet des moments à tout ordre. Ça, je ne l'ai pas écrit dans le poly. Ce qui veut dire tout simplement que quel que soit r appartenant à n étoiles, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x puissance r f de x dx converge absolument. On peut l'admettre. Ça ne m'intéresse pas spécialement comme propriété ce truc-là. Ça vous servira en cours parce qu'on pourra faire, vous ferez l'année prochaine. Des études de produits scalaires qui sont des intégrales de moins l'infini à plus l'infini avec des exponentielles dedans. Et du coup, vous pourrez utiliser cet argument-là pour justifier de la convergence. Mais pour nous, ça ne va pas trop nous servir cette année. Mais je vous le dis quand même, c'est vrai. Elle admet des moments à tout ordre. Donc en particulier, elle admet une espérance et une variance. Et on a que l'espérance de x, ça vaut 1 sur lambda. Et on a que la variance de x, ça vaut 1 sur lambda carré. Alors c'est sur ça que je voulais arrêter et c'est pour ça qu'on fera les calculs demain parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Ces résultats-là m'intéressent très 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 peu. Ce n'est pas ces résultats-là qui m'intéressent. Les résultats qui m'intéressent, je vous les ai déjà fait écrire, il y en a trois. Je vais aussi utiliser le fait que F est une densité. Je vous ai fait déjà apprendre les deux plus importantes et c'est ça que je veux que vous reteniez. De ces résultats-là, ce qu'il faut retenir, c'est pas vraiment les valeurs. Enfin, si on peut, mais c'est plus l'intégrale qui est associée. Ces résultats-là sont beaucoup plus utiles en termes de valeur d'intégrale de référence que de va valeur d'espérance et de variance. Ce que je veux dire que plus que savoir que f est une densité, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda exponentielle moins lambda x dx, ça fait 1. Ou que l'intégrale de 0 à plus l'infini, c'est à vous de voir comment vous voulez l'apprendre, de ceci, ça fait 1 sur lambda. Je vous l'ai fait apprendre déjà, cette intégrale-là. C'est donc lié au fait, et c'est pour ça que maintenant, vous savez quel point de cours vous permet de justifier de cette intégrale-là. Ça, c'est tout simplement par expression de la densité d'une loi exponentielle. D'une loi expo. Vous savez que cette intégrale-là fait 1, point. Donc, par exemple, vous pouvez en déduire que l'autre vaut 1 sur lambda. Je vous ai déjà fait apprendre ce résultat-là, qui est que l'intégrale, ça se traduit par le fait que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x fois lambda exponentielle moins lambda x dx, ça vaut 1 sur lambda. Et maintenant, ce résultat-là, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. On le savait déjà, je vous l'ai déjà fait apprendre. Et maintenant, on a le vrai argument. Ça, c'est lié à l'espérance. Oula, j'ai perdu. Ouais, j'arrive plus à écrire. Il est 29, j'arrive plus à écrire. Je fais un arrêt de la présentation et je relance. Et on arrête le cours, je suis désolé. C'est juste pour finir ma phrase et écrire la dernière intégrale et on arrêtera là. Allez. Ça rame. Vous m'entendez bien? J'ai bien encore internet? Oui, c'est bon? D'accord.
Merci, merci.